Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi en Martinique. Franchement, cette vidéo, ça serait vraiment un mini-vlog. Alors, je suis partie en famille. Je vous montre ma tête là. Franchement, je n'avais pas assez dormi. Là, nous sommes arrivés. On a pris le bus pour rentrer. Parce que nous, on avait pris un Airbnb. D'accord. Donc là, je vous montre un peu hein, l'extérieur et là, l'intérieur. Mon chéri et moi, on est partis faire les courses. Franchement, les prix là-bas, c'est vraiment un truc de fou. C'est vraiment cher. Et là, mon chéri est en train de faire à manger. Je lui ai demandé d'expliquer qu'est-ce qu'il était en train de cuisiner. Bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est le 22 juillet. On est là avec ma famille à Martinique. Pour des courses. En Martinique, oui. En Martinique, pour des courses. Voilà. Et moi, je vais faire le petit manger. J'ai fait des sauces tomates avec crabe. Avec poulet, voilà, avec du riz blanc propre, parce que moi c'est Nigeria, on est dans du riz blanc avec des sauces tomates, tu vois, ça c'est comme des professionnels, voilà, elle est ma femme, d'ailleurs, je t'aime, aujourd'hui, demain, la prochaine, l'année prochaine. Alors le lendemain, on a décidé de sortir pour la plage, là je vous montre la tenue que j'ai portée vite fait. Et là, c'est mon chéri. Franchement, je vais pas vous mentir, ça nous a fait du bien. Au début, je pensais que mon fils, il n'allait pas trop aimer la mer et tout ça, mais ça s'est bien passé. Vraiment. Me voilà dans l'eau. Franchement, je ne sais pas trop nager, mais je me débrouille. Je vous explique. En fait, nous, dès qu'on voyait qu'il faisait trop chaud, on sortait, on allait à la mer. Et franchement, je ne vais pas vous mentir, ça faisait un bien de fou. On était sorti vite fait pour manger. On voulait pas rester à la maison. On sortait tous les jours. Il faut savoir que je filmais pas tous les jours non plus. Donc voilà, même si je pouvais avoir un vlog, on va dire, de 20 ou 25 minutes, ben non, parce que je profitais en fait. Donc je pensais pas tout le temps filmer. Mais je me suis dit, vas-y, je vais essayer de faire quelque chose et de poster sur ma chaîne, quoi. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube, vous savez que je fais de la couture, donc je ne pouvais pas aller là-bas et ne pas acheter du tissu. Donc j'ai décidé d'aller dans un magasin qui vend des tissus en mètre. Donc je vous amène avec moi.
Alors voilà le magasin, vous pouvez mettre pause et screenshot si ça vous intéresse. Franchement, les tissus à l'intérieur, ils étaient bien quand même, hein. Il y avait un peu de tout. Et la dame que j'ai eue là, elle était assez sympa. J'ai vraiment aimé en fait. Donc moi, j'ai acheté deux différentes tissus. Je vais vous montrer juste après en photo. Les voilà. Le jour où moi et mon chéri, on a décidé d'aller à Pointe-du-Bout, eh bien, je vous laisse lire en fait ce qui est affiché. On était dégoûtés. J'étais vraiment dégoûtée, mais bon, c'était comme ça et puis on ne pouvait rien changer. Alors, le dernier jour, il faut savoir que c'était vraiment le dernier jour, parce que c'est le même jour-là qu'on devrait prendre l'avion. Je suis partie aller chercher tout ce qui est croissant, pain au chocolat, parce que franchement, j'avais faim. Et nous voilà à l'aéroport. Me voilà chez moi en train de boire du thé. Ça m'a vraiment fait du bien de passer les vacances là-bas en Martinique. J'ai bien aimé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!